Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses. Aujourd'hui, on est le 26 février. Mon mari n'est pas là, hein, c'est le jour où il va à Nantes. J'ai été faire quelques courses et je suis passée chez Action. La semaine dernière, j'y suis passée, mais je suis sortie, il n'y avait rien. Là, bon, bah, il n'y a toujours pas les pattes d'encre. Je ne sais pas si on les reverra un jour, mais j'ai trouvé quelques petites nouveautés. Donc, je vous montre tout ça. Alors, j'ai d'abord trouvé un petit paper block comme ça, où il y a pas mal de couleurs. Hop, voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que les couleurs qui sont plus, disons, pour Noël, je vais les garder, hein, les rouges, les dorés, les argentés, les verts. Et puis les autres, eh bien, je vais m'en servir pour mater des photos. Hein. Donc ça valait 74 centimes. Il y en a 20 feuilles. Hein. D'accord, j'en mets directement dans mon sac. Après, ça, j'ai pris des petites enveloppes comme ça, deux blocs. Vous connaissez, j'en avais plus du tout de comme ça. C'est 64 centimes le paquet. Il y en a 8 de chaque, hein, sans craft. Ben, j'ai toujours des cartes à faire. Là, j'ai pris deux paquets de serviettes. Ben, c'est pour faire mes envois. Alors, je me suis dit, ben, ça serait peut-être bien maintenant de faire des envois plutôt de Pâques. Hein. Donc, puis celles-ci sont grandes, donc elles sont bien. Donc, les serviettes de pli, c'est 99 centimes. Après, j'ai pris un bloc comme ça. C'est un cahier, ni plus ni moins. Mais c'est pour marquer toutes mes vidéos. Parce que mon autre cahier, il est presque plein. Voilà. Donc, c'était 89 centimes. Après, j'ai pris, ils appellent pochoir ça. Donc, j'en ai pris trois comme ça. Parce que moi, je ne les ai jamais vus, hein. C'est les premiers que je vois. Donc celui-ci, parce que pour faire des étiquettes, c'est très bien. On tamponne et puis après, on découpe. Là, ben, le chien et le chat, c'est superbe. Et puis là aussi, pour faire des étiquettes. Donc ceux-là étaient à 3,39. Enfin, je ne sais pas, parce que j'en ai pris trois de chaque. Alors il y en a trois, deux, ou c'est plutôt 2,49 ceux-là. Et les nouveaux, où j'en ai pris trois aussi. Donc j'ai pris celui-là. Parce que les autres fleurs ne m'intéressaient pas. J'ai pris celui-ci parce que j'ai vu des filles qui ont fait des découpes avec les petites dents. J'ai trouvé ça sympa. Puis je pense que mon mari me les découpera, hein, ceux du milieu. Donc ils sont à 3,39. Celui-ci. Et puis celui-là. Hein, voilà. Donc là, c'est 3,39 du coup. Hop, 3,39 de 49. Donc ça c'est vu, c'est là où j'en ai pour le plus cher. J'ai pris celui-ci parce que celui-ci je ne l'avais pas. Et ce que j'ai bien aimé, c'est bon, les coquillages, j'en ai pas mal, mais j'ai bien aimé le vert, la coquille Saint-Jacques, les chaussures. Et puis là, pour l'étoile de mer, il doit y avoir le. Mais bon, comme de toute façon, il faut recouper ça, c'est pour. Voilà. Après, je ne sais même pas ce que c'est qui est marqué. Ouais, non, le reste. Ça, éventuellement, là, les vagues. On peut mettre des vagues en bas d'une carte, ça peut être sympa. Ça, le pochoir découpe embossage. Alors, le pochoir fleur, c'était 1,99. Et le tampon avec la matrice, là, 1,49. Voilà. Après, j'ai pris ce bloc papier à paillettes. Donc, il y en avait plusieurs. Mais sincèrement, ce que j'ai bien aimé, c'est que les papiers, c'est un grammage quand même assez intéressant. Je ne sais pas où ils le mettent. Non, ils ne le mettent pas. 180. Je trouve que pour faire des tout petits albums pour envoyer aux copines, alors là c'est un joli vert, mais alors là-bas ça, on dirait un vert pâle. Alors, il y en a quand même 4 feuilles, hein, donc je trouve qu'on peut faire quelque chose. Donc après il y a 4 feuilles de vert, non 3 feuilles de vert pailletées. Donc ça, je sais pas. Alors après il y a du mauve.
mauve. Ben là, il y en a encore plus. Il y en a 6. Là, il y a du parme, je dirais. 3 feuilles de parme. Et là, il y a du rose. Et là, il y a 3 feuilles de rose. Hein. Après, il y a du rouge pailleté. Bon, au pire, ceux-là, je les garderai pour Noël. Hein. Ça peut faire des découpes. Là, il y a il y a 3 feuilles de orange. Alors là, on dirait du rose quand on le voit dans la caméra. Et là, c'est un orangé, on va dire. Et là, il y a 3 feuilles de jaune. Alors, il y en avait d'autres, mais qui étaient plus foncées, ça ne m'intéressait pas. Et ça, ça vaut bloc papier de luxe paillette 1,69. Voilà. Après, j'ai pris un bloc comme ça, là. Hein, je ne vous le détaille pas. Bloc de papier 1,95. Je me souviens plus. Hein. Mais moi, je garde tous mes tickets. Je pourrais comparer. Bon, après, j'ai pris des trucs pour la machine à laver. Les blocs de dessin vélin. Alors, j'ai pris parce que du vélin couleur, j'en ai pas du tout. Candy and Scrap, là, avec ses... les pailles, je trouve qu'elle fait des choses super sympas. Alors je me dis, pour envoyer aux copines, je pourrais faire des petites créations. Puis moi, garder le vélin uni pour le tamponner éventuellement. Hein. Donc j'ai pris celui-ci. Donc voyez au dos les feuilles que vous avez. J'ai pris celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Il y a des très très jolis tons dedans. Attendez que je me recule un petit peu, ils sont très très beaux. Vous avez celui-ci, pareil, hein, il y a des jolis tons, là, les cœurs, ou même pour mettre dans les albums, hein, je trouve sympa. Et puis, il y a celui-ci aussi. Il y a même une feuille vélum couleur bois. Alors, je trouve pour Noël, ça peut être sympa. Alors, les feuilles de vélum comme ça, c'était 1,69. Hein? Tac, tac, tac. Après, alors, j'ai une fille, je vous dirai pas son nom. Je vais essayer, je le mettrai sous la vidéo. Encore que cette vidéo-là, je ne sais pas si je peux le faire. Mais il y a une fille qui a fait un petit album avec un bloc comme ça. Elle a utilisé les feuilles blanches et un paper bloc comme ça. Donc, quand elle a fini, parce qu'elle a dû le faire en 3 vidéos, parce qu'elle a fait une vidéo de structure, une vidéo où elle a décoré les pages avec tous les die cuts. Et après, elle demandait si ça intéressait qu'on voit avec les photos. Donc, elle avait tiré des photos en noir et blanc. Oh, le rendu était magnifique. Et elle a mis en fait ces deux trucs-là. Parce que je dis, moi, j'en ai eu un, mais je ne l'ai plus. Je dis, et puis, elle a dit ben, qu'elle allait en faire gagner. Mais je me suis dit, bon, elle a peut-être peu de chance de gagner. Ben, écoute, si tu me regardes, j'ai ce qu'il faut pour le faire. Hein. Parce que ben, moi, j'ai la Canon Selfie, je peux faire des petites photos. Par contre, je suis peut-être pas sûre de pouvoir les faire en noir et blanc. Mais j'irai les faire au magasin en bas. Alors, le carton de bricolage en lin, là, c'est 1,55. Ça n'a pas bougé depuis longtemps, ce prix-là. Hein. Et puis, le bloc de papier luxe, 1,79. Il y en avait d'autres, mais sincèrement... je ne les ai pas trouvés. Celui-ci, il y a un moment hein, qu'on l'a eu déjà. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des belles choses. Et elle utilise tout. C'est-à-dire qu'elle a décoré son album. Et après, elle en colle un peu sur ses photos et tout. Oh, j'ai trouvé ça génial. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Je ne sais pas quand, mais je le ferai. Et puis après, j'ai pris... un aquarelle comme ça. Alors, je vous explique pourquoi. J'ai fait venir des papiers d'aquarelle de chez Carglass, je crois. Mais alors, ils sont pas blancs. Ils sont bis. Alors, c'est un peu ennuyeux. Alors, je me suis dit, tiens, là, j'ai un petit projet. Pas pour tout de suite, mais voilà. Et ça, ça vaut 1,79€. Il n'y en a pas toujours. Là, il y en avait beaucoup. Là, le rayon était vraiment bien garni. Hein.
Et j'ai pris les fameux autocollants. Parce que moi, eh ben, vous savez pas, je fais un... Alors, je m'en sers que je double pour mettre dans mes créations ou je sais pas. Mais là, vu ce que c'était, c'est vraiment des tout petits. Je me suis dit, ben, c'est pour décorer mon bullet journal. Donc, voilà quoi, c'est pas... Parce que mon bullet, ben, j'aime bien le décorer. Je vous le montrerai. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'annotations de fêtes avec tous les rendez-vous de mon mari. Mais en vous le montrant un peu de loin. Donc, j'ai pris celui-ci. Celui-là. Donc là, il y a les mois. Je trouve ça sympa. Et puis, là aussi. Donc, bon, ben, j'en ai pour un moment. Parce que les mois, maintenant, chez Variations Créatives, ils nous envoient un tampon mois. Si on passe une commande par mois, on a un tampon mois. Et puis, il y a quelques petites bricoles avec. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc, il y a celui-ci qui est très joli aussi. Alors, quand j'ai rien dans ma... Dans... Parce que moi, en fait... je mets deux pages par semaine. Attendez. Non, je mets une semaine, je mets 4 jours et puis les 3 jours et le note en bas. Hein. Mais quand on a, des fois, on a un mois où on n'a qu'une ou deux, un ou deux jours, donc j'ai beaucoup de place. Donc, bah, je vous le montrerai mon bullet. Hein. Je vais décorer février, là, quand il va être fini, puis je vous montrerai. Donc, voilà. Alors, ça, j'aime bien. Hein, sur une, j'adore les quand ils mettent des choses comme ça avec des fleurs autour. Et voyez, là, pour Pâques, on pourra mettre le petit lapin. Puis là, en bas, il y a les chiffres aussi. Ils sont vraiment très, très jolis. Donc, voilà celui-ci. Là, j'en ai un autre. Qui est pas mal non plus. Là, avec le siège. Donc, les grands, bah, je les colle directement, ceux-là. Hein. Celui-là, il est plutôt zen, mais il est bien aussi. Voilà. Ah, il est vraiment joli. Hein. Il est vraiment joli. Il y a le petit... J'aime bien le petit chien en bas, là. Voilà. Voilà. Celui-ci, c'est vraiment pour mon bullet. Hein, parce que là, les trucs sont tout petits. C'est vraiment un petit peu bizarre. Mais je l'ai pris quand même. Parce que dans le bullet, voilà, ça ira très bien. Là, celui-ci, il est pupette. Pêche, je ne sais pas comment on dit. Parce que il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de fruits. Il y a des couleurs très peps, ça pourra aller pour cet été, ça. Hein? Voilà. Là, il y a un petit chien mignon comme tout. C'est dommage qu'on ne voit plus Eternity parce que j'aurais pu lui faire un petit quelque chose. Oh, bah, je l'ai pris deux fois celui-là. Oui, bah, ça fait rien. Hop, je le mettrai pour un échange. Et puis, il y a celui-ci aussi qui est joli avec le chapeau de paille. Le panier avec les fleurs dedans. Là, j'aime bien la petite fille aussi. Il y a une petite fille, elle est très mignonne. Ça, c'est plus pour l'été aussi. Voilà. Bon, mais ça, c'était 99 centimes. Hein. Donc, sachant que pour décorer mon bullet, il m'en faut 1,5. Bon, c'est pas trop, trop méchant. Bon, ben, je vous dis à bientôt, les scrappeurs et les scrappeuses. Bye bye!